m'appelle Télia, j'ai 16 ans et je fais un CAP pâtisserie en 2 ans. Bon, moi c'est Léa, j'ai 21 ans, aujourd'hui je suis en CAP pâtisserie connexe. La différence entre un CAP en 1 an et un CAP en 2 ans, c'est que CAP en 2 ans, on a l'enseignement général qui est le français, le maths, l'anglais, l'histoire. Le CAP en alternance me permet de pouvoir être en cours, d'apprendre des choses théoriques, mais aussi d'être en entreprise, de pouvoir faire les choses enfin avec mes mains, d'apprendre avec des professionnels, de pouvoir observer. Et ça me permet une rémunération. Avant de m'inscrire au CEPROC, j'ai d'abord cherché mon entreprise par candidature spontanée. Ça s'est fait assez rapidement en entrant dans une boutique et en faisant un entretien d'embauche qui s'est très bien passé. Les formateurs, ils vont être à l'écoute et du coup, ils vont nous aider à travailler sur nos lacunes. Et grâce à ça, j'ai eu de meilleures notes en général. Au CEPROC, j'ai pu découvrir une tenue, une structure au sein de cet établissement que je trouve particulièrement agréable pour la concentration et le respect de toutes les matières qu'on apprend qui sont professionnelles et très importantes pour notre futur. Pour la suite de mon parcours, après ce CAP, j'ai l'intention de faire une mention complémentaire en chocolaterie et pourquoi pas par la suite continuer dans cette lancée d'apprentissage et un jour peut-être ouvrir mon entreprise. Pour moi, la pâtisserie peut permettre une évolution dans le futur professionnel qui est très varié entre la cuisine, la chocolaterie, la confiserie, la diététique notamment, ce que je souhaite faire. Et on peut ouvrir tellement de possibilités, il faut être créatif.